Salut tout le monde, je vais vous montrer comment faire un événement direct, en direct. Donc c'est simple, vous allez sur gestionnaire de vidéo. Après, il faut vérifier que vous avez... attendez, je sais pas ce que j'ai fait. Donc faut après vérifier qu'il y a ça. Rien, pas rien ça, donc ça j'ai fait exprès pour vous montrer. Après, vous allez dans... ou si vous avez la vitre d'auteur, moi j'en ai 4. Après vous allez sur événements en direct. Là. Donc là il n'y en a pas, parce que j'en ai fait un hier. Nouvel événement en direct. Ok, voilà. Donc, vous mettez, si vous voulez faire tout de suite, bah, vous mettez maintenant ou dans 12 minutes et tout. Donc le titre, moi je vais mettre comment faire un événement en direct. Voilà. Voilà, France, oui. Je mets jeu. Je tiens à vous dire aussi que ça va vous permettre de mettre vos vidéos sans mettre et ajouter vidéo, donc plus rapide. Donc moi c'est l'image vidéo. Jeu vidéo. Donc moi je mets public. Paramètres avancés, oui, c'est bon, je mets tout, voilà, non, je mets pas ça au direct, oui, voilà, ça démarre, donc vous devez télécharger le logiciel, hein. La collection est rap, un peu plus profil YouTube. Donc pour si vous voulez passer en temps, il faudra mettre un truc là. Comme je veux pas pour l'instant. Donc je sais pas comment faire pour stabiliser sans caméra. Ouh là là. Alors, petit problème. Mais au moins ça marche. Je crois que j'ai trouvé. Oui, voilà. Non, c'est pas comme ça. Désolé pour le son, enfin, je pense. Je vais juste essayer. Alors, comment on fait pour que ça soit stable. Je vais tourner parce que je filme avec et donc à ce moment-là on peut pas avoir. Voilà. Okay. Donc là c'est pour faire les effets. C'est ça aussi. On a choisi ça. Voilà. Ça je sais pas pourquoi. Ça c'est pour les ajouter des applis. Moi je veux que ça soit droit. Je sais pas comment on va faire. Ça c'est mieux, c'est mais... pas besoin de caméra, mais j'en prends une autre. Comme... non, j'ai déjà fait celui-là. Ça marche pas, donc vous savez comment faire un événement direct. Donc je vais faire avec ma cam normale. Voilà, je vais pas mettre, je vais enlever. Et voilà, je vais relancer une fusion. Et maintenant, je suis en direct. Donc voilà. Donc, c'était juste un petit tuto. Et voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement et pendant ce temps-là, je vais faire le truc en direct même. Voilà.
Donc...